Lanea contre Sol Invictus. Premier match probable de cette finale loser bracket. Il est là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, il est très beau, surtout dans l'ultra. Il sera encore plus beau. C'est vrai qu'il sera plus beau dans l'ultra, Sol Invictus, on m'a dit. Hein. Sol Invictus, ouais, qui représente quand même. Hein. Ils sont à Rennes. Ils veulent pour une fois et bien montrer qu'à Rennes, on est là. Et ce DJ qui se fait médianiser. Oh ya 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 ya. Ça plaît à Narok. Hein. Ça plaît beaucoup. Hein. C'est violent là, ce qui vient de se passer. I don't give a shit of the matchup. I don't care. I have no sin to branle. Voilà. Ça, c'est bien rendu le bon matchup. Et sur les victus qui va. Ouais oh, hey. Il n'y a pas de super en crack. Il ne faut pas jouer comme ça. Heureusement que les Babsy pour être là. Il y a une belle couverture défensive. Il y a vraiment de quoi se faire peur. Attention, le mec qui commence sumo presse. Il n'a pas le temps. Pas le temps. Très bon arrière. Un soir arrière ce petit point. Avec une bonne hitbox. De casser les éventuels sumo presse. Milania qui doit attaquer. Hein. C'est la clé du match parce que s'il reste loin, bah, c'est 100-0. Hein. Il va y avoir flash, 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 jackknife. Et puis on n'en parle plus. Mais là, il réussit tellement bien à gratter son adversaire. Et même, il arrive à faire des doubles touches. Oh, ça, c'est un whiff qui passe dans une chonagée. Et ça, il y avait peut-être moyen de finir. Je sais pas. Il n'a pas voulu, en tout cas Sol Invictus il reste sur ses gardes. Et là, super, qui ne peut pas être mis, qui ne va pas être mis, il va la mettre juste ici, attention, parce qu'il a aussi sa super. Mais elle est là. Je l'avais dit qu'il y avait la super, Zouzou. Oh là là, ce sel qui se répand sur ce costard. Mais ça fait que un hit costard, voici le deuxième hit costard. DAP35, l'homme que j'ai toujours battu dans les rankings 3 hit combo. L'homme qui ne m'a jamais battu, mais l'homme qui peut peut-être battre Justin Wong, on ne sait jamais. Il faut croire en DAF35. Believe in DAF35. Ils sont bons, il est là. Il commence mille mains direct à Milania. Il n'a pas le temps. Il est là pour striker. Et tu en viens dans mes bras, ma poule. Et là, c'est cross-up, pas cross-up, tu sais pas. Et il y a en direct en booster. Et je te marave la tête. 10 secondes de match. Vous pouvez applaudir. Hein. Milania, il envoie vraiment du lourd. S'il n'y avait pas un foutu old Sagat, à mon avis, dans l'équipe d'en face, ça fait longtemps qu'il aurait rempli tout à faire. Otsunage, bien sûr, c'est Otsunage là-dessus. DAF35, qui sait pas. DAF35, qui trouve la double touche quand même. Une bonne double touche, puisqu'il a fait un autre temps. Allez, c'est maman. C'est quoi ce spinning on ne sait pas. Très bon reversal, tel choc qu'il a ici pour empêcher encore une fois. What? On lui a sauté, il a mis la super dans les dents. Saut avant, super. Voilà, et bien il ne reste plus qu'un dernier hit combo. Hein. Cet homme a tué toute mon équipe. Hein. Eldruz, préposé aux passes, préposé aux inscriptions. Il y a des RTA à la PNL. On aime la PNL. Regardez, DAF35 qui est en train de lui faire des bisous. Si tu veux, je peux mettre mon zizi. C'est bon, il est prêt. Il est prêt, c'est la mafia de Rennes. La mafia est là. Il y croit. Hein. Il croit à la puissance de son dictateur. Mais la Milania, il y a du coup un versus qui s'améliore grandement. Du coup, ça serait un tout petit peu paradoxal si ce dernier ne pouvait pas remonter dans le match et remonter en winner bracket pour bien défendre sa chance en grande finale. Car il faut le tuer, Sol Sagat. Attention, ça a été trop loin peut-être pour le Shonage. Mais on va le tuer. Et le combo. Elle brise mes amis. 3 hit stun, 4 hit mort. Hein? Mais non. Mais oui Pablo. Évidemment Pablo. Très bon Psycho Crusher, entièrement safe. Vous voyez avec une position Stan HK dans ce Doskoy. La Milania qui s'agace un petit peu car c'est vrai qu'il est patient. Eldruz, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que le niveau est autant augmenté sur 2x à Rennes. C'est vraiment très très plaisant. Là, il y a punition. Il n'y a pas vraiment combotté, mais il y a quand même un son moyen point. Le sauvage d'équipe avec ce Doskoy qui a évité le cross-up. Et il y a aussi un aguet derrière. Est-ce qu'il va le beaucoup miniser? Il va le beaucoup miniser. Aïe 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 mes amis. On est là, on se fait un petit séance canapé, mais je dois bien avouer que nos nerfs sont mis à rude épreuve et la Tourette retient son souffle car il faut sortir ce diable de Milania. Un des rares vainqueurs du X-Mania Europe qui a gagné de ses mains ou de son cul avec Honda en plus hein, et de sa tête.
Et bien ce X-Mania, oh là là, il recule, il est prudent quand même, Elbrus, même s'il est en retard à l'énergie, qui est presse. Voilà, et c'est ça, il joue pas le dingue là, il joue complètement pas le dingue, mais du coup, ça va peut-être mettre en confiance Milania qui se dit, bah je peux charger ma barre, je peux faire des trucs, je peux m'optimiser, et l'autre Naga il est là, et ça sent la mort, et c'est la mort. Milania strike la team 3 et Costar et ressuscite en grande finale, le Big Final.